5 minutes et quelques diapos, ici on appelle cela un pitch. Dans les locaux d'UbiFrance à San Francisco, ces jeunes entrepreneurs français répètent une dernière fois leur présentation. Clément Moreau a créé Sculteo il y a 3 ans. L'impression 3D, c'est la troisième révolution industrielle. C'est le nouveau moyen pour fabriquer des objets. En face, Erika, la coach en communication, leur enseigne les codes du commerce à l'américaine. Et elle n'est pas toujours tendre. Tu ne t'es pas entraînée. Réveillez-moi. Faites-moi peur. Donnez-moi envie. Ils sont une trentaine de jeunes créateurs d'entreprises et ont été sélectionnés pour venir passer une semaine en immersion dans la Silicon Valley. Maxime, 30 ans, a développé une application de gestion de contact. Notre objectif, c'est de venir ici s'installer aux États-Unis. On sait qu'on a beaucoup plus d'utilisateurs américains parce que les marchés, en général, sont plus mûrs d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe. Toute la semaine, ils enchaînent les rendez-vous avec des clients, partenaires ou investisseurs potentiels. Aujourd'hui, la petite équipe de Neyo va présenter son produit chez Vodafone. Puis retour à San Francisco pour une soirée networking. Réseau, formation, prise de contact, ce sont les missions d'UbiFrance, une agence publique sous tutelle du ministère de l'économie. Quand on est une entreprise étrangère, française ou pas d'ailleurs, et qu'on vient dans la Silicon Valley, c'est compliqué. Personne ne vous connaît. Vous n'avez pas forcément les mêmes moyens d'ailleurs au départ que vos concurrents américains. Donc un petit coup de pouce, c'est pas plus mal. Et nous, on est ce coup de pouce. Ce soir, dans ce bar branché, Maxime, Clément et les autres Frenchies font une démonstration de leurs produits devant un public de connaisseurs. C'est des histoires qui font rêver, où on dit ouais, ils ont été dans un événement et ils ont été repérés par Telbici qui a mis 3 millions de dollars dans leur boîte et c'était parti. L'année dernière, la moitié des entreprises qui ont participé à ce French Tech Tour ont depuis ouvert un bureau aux États-Unis.